Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah Clatresse de Strawberry. Et pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, what go, générique. Il est quand même m'a choisi. Le départ m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais ma paix, si, oh merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog, où là, aujourd'hui, actuellement, je suis en train de réviser les partiels. Voilà. Ben, toute la semaine prochaine, pendant 2 semaines, j'ai full partiel. 2 semaines, plein de partiels. Après, en vrai, franchement, ça va. C'est pas très, très compliqué, sachant que ça va surtout être des études de cas dans le mood où c'est pas du par cœur. Enfin, sauf deux matières, je crois. Voilà l'état de mon bureau. Genre, là, ça travaille, ça carbure. Sur le programme que je m'étais prévu aujourd'hui, là, faut vraiment que je réussisse ce truc-là. Ensuite, je vais faire un exercice partiel qu'ils avaient fait l'année dernière. Et ensuite, je vais finir le diaporama parce que j'ai un oral en communication. Je dois parler de moi. De toute façon, je vous montrerai un peu. Il est giga beau. J'aime trop. Moi, j'aime trop. De toute façon, j'ai fait vraiment un truc de granit à la sarabie, la fraise. En plus, comme à l'école, ils savent tous que mon blaze, c'est sarabie. J'ai osé mettre mes réseaux à la fin. J'ai mis Instagram, Snap, sarabie, la fraise. Contactez-moi. Je suis vraiment trop marrante. Bref. On recommence tout ça et c'est reparti. Ma soeur, elle me fait sortir à quelle heure et dans quelle dégaine, s'il vous plaît? Où faites? Tu dégaines ou dégaines? Tu dégaines ou dégaines? C'est fort, c'est dégaine fort! Dégaine ou dégaine? On fait un clip là? Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Enfin, pour un nouveau jour dans le vlog. Donc là, je suis revenue chez mon père parce qu'on a fini nos partiels et que j'ai une heure, quelques semaines de pause. Calculez pas mes ongles, j'en ai perdu 3. Oui, je sais que je les retire. Mais ceux-là, ils sont trop bien collés en fait. Du coup, ça fait. J'arrive même pas en fait. Genre, j'arrive même pas à vous voyez là gratter et tout, rien. Bref, du coup, là, j'ai reçu quelques colis. Donc, je vais faire l'unboxing avec vous. Le lait, il m'a laissé un goût dégueulasse dans la bouche. Je déteste ça. Bref, je prends un chewing-gum, je pense. Attendez, il est où mon sac? Sac cadeau. Calculez pas toutes les serviettes et tout. Je viens d'arriver, j'ai rien rangé. D'ailleurs, pour vous expliquer mon programme de la journée, ça va être. Je vous montre. Mon unboxing, je range tous mes vêtements. Du coup, j'ai eu le temps de rien ranger du tout. J'ai eu le temps de rien ranger du tout. Donc là, du coup, je vais m'amuser à tout ranger. On est déjà l'après-midi, mais ce matin, j'ai dormi. J'ai eu quelques petites paperasses à faire. Du coup, voilà. Donc, premièrement, ma copine a mis quoi? Premièrement, ma copine, elle m'a acheté un cadeau. Je vais l'ouvrir. Putain, j'aurais pu faire parce qu'on a assez merveilleux. Mettre grave des... Il y a deux trucs. Ils m'ont pris l'anti-cerne et la poudre. Je vais leur envoyer un message, je savais pas. Je suis choquée. Ils m'ont pris la poudre en kunafa et la mot. Je suis choquée. Mais elles sont malades. Et je savais pas. Je savais juste qu'elles m'avaient pris l'anti-cerne, mais je savais même pas qu'elles m'avaient pris la poudre. Elles sont malades. Elles sont enseignées. Je suis trop choquée. Je vais leur envoyer un message. Et je crois que je vais les appeler carrément. Je vous aime trop. Depuis le temps que je voulais la Ouda en fait. C'est là. C'est là que le thé est versé. Oh my days, like she did it. La kunafa maman la bango. Oh là 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 là. I'm just so very happy. Thank you, girls. Je vais les appeler. Attendez, mais wesh, elles sont malades ou quoi? J'avais acheté des petits trucs sur Shein. J'avais acheté du Shiglam. Parce que je voulais tester la marque, en fait, tout simplement. Et aussi, là, j'ai pris un trépied, une lampe. Vous voyez les lampes qu'on voit un peu partout, là? J'hésite à peut-être aller faire maison. Ah ouais, non, parce que j'ai pris rendez-vous pour le 22 février.
Et je me vois pas forcément aller me faire mes ongles maintenant, mais après je me dis que si je fais mes ongles maintenant entre les deux là, bah ça fera un mois pile quoi, parce que là on est dans la vingtaine, tu vois. Alors attendez, ça se présente comme ça, la LED. Avec mes doigts, j'arrive à rien faire, c'est dingue. En fait, d'un côté, je suis contente que mes ongles soient tombés parce que franchement, là, je les ai fait beaucoup plus longs d'habitude. Et je trouve que c'était beaucoup moins pratique que ça l'est d'habitude. Alors là, je sais pas comment faire. Si, je vais essayer de coller ça comme ça. Vous aussi, si vous la commandez, vous savez comment faire. Mais je sais pas si je dois. C'est dans l'autre sens en fait. Oui, si c'est dans l'autre sens. Donc ça veut dire que. Attendez. J'essaye de coller ça comme ça. Et là, j'ai réussi. Ensuite, j'avais vu qu'ils avaient dit qu'à l'intérieur, c'était des petites piles. Du coup, je suis partie en acheter tout à l'heure. Mais alors, comment ouvrir ça? Oh là là. Je me suis prise la tête. J'ai pris un couteau. Ça s'est ouvert direct. Bref. Je me suis même recoupé l'ongle. Bref. Là, j'avais acheté des piles tout à l'heure. À Aldi, les plus petites. Pour les mettre directement dedans. Voilà. Heureusement, j'ai pris de l'avance. C'est la poubelle. Mais ça me saoule là. J'ai l'impression de réussir à rien ouvrir. Je suis trop contente de m'acheter la poudre et tout. Boum! Salut les gars! Wouh! Investissement sur nous. Ensuite, j'ai pris un trépied. Putain, mais comment ils ont empilé nos affaires? Ouais, j'étais mal commencé. Bref, j'ai acheté un trépied. Parce que là, ça y est, quand je partirai en vacances, je vais vraiment bien travailler déjà. Là, je vais commencer à filmer des vidéos en 4K et tout. Parce que ça y est, j'aime pas ne pas faire du qualitatif. Et 2024, j'ai dit. Et de la qualidad. Du coup, comme mon trépied, le grand, il est pas pratique et tout. Celui-là, j'espère qu'il le sera. Attends, ben, je croyais que celui-là, on pouvait le pivoter. Ah, ok. Du coup, ça, c'est quoi? Bah, comment je mets mon téléphone dedans, moi? Oh! Ok, et là, c'est pour faire la largeur. Ah, c'est que ce côté-là, ok. Ensuite, si je veux élargir, je fais comment? Oh! Ok, si je veux raccourcir, je fais ça. Et ça, c'est pour écarter, genre. Alors, attendez. Vous savez quoi, on va tester ça tout de suite. Du coup là j'ai mis le trépied. Franchement pas mal hein. Pas mal. Je pense que je vais grave l'utiliser pour quand je voudrais faire un certain contenu. Quand par exemple je voudrais être debout et tout, parce que là en soi il me sert pas à grand chose. Comme en général je filme comme ça dans la chambre, dans ma chambre, bah ça va. J'aime bien, je suis contente. Il m'a pas coûté très cher, il m'a coûté que 5 balles celui-là, donc ça va. Puis je me dis, vas-y, en vrai, je vais l'utiliser que en vacances, donc en soi, m'en fiche un peu. Là, j'ai pris ça, c'est quoi ça? Liquide contour. Ah, ça doit être le concealer. J'ai pris un peu comme un concealer. Ah, attendez, ça, je le pose là. Et dans le carton, je vais mettre la poubelle, en fait. J'ai pris un concealer, attendez. Du coup, je suis blâme. En fait, ça me perturbe du coup la lumière. Je sais pas où la mettre. Je sais pas trop où la mettre. Alors, attendez. Ouais, là, c'est un peu mieux. Je suis trop contente. J'ai racheté tout mon maquillage, là. Enfin. Ah, mais j'arrive pas à ouvrir. J'arrive à rien ouvrir aujourd'hui ou quoi? Ça, c'est quoi, ça? Alors, il se présente comme ceci. Attends, c'est écrit où? C'est écrit là. Mais ça, c'est pas assez profond hein, pour aller prendre les trucs. Hein. Ouais. Ah, c'est chocolat un peu. Hein. Je sais pas si ça fera un bon contouring, mais bon, j'espère. Voilà, le packaging, il est très joli. Très joli, j'aime beaucoup. J'ai aussi pris leur blush, parce qu'il y a tout le monde qui dit que leurs blushs, ils sont archi bien. Donc j'ai aussi pris leur blush. Voilà. J'ai envie de garder les cartons. Ça me fume de rire. Tout le monde dit que leur blush, il est très bien. Du coup, je l'ai pris.
Mais je pense que je vais aussi acheter le Rare Beauty parce que le Rare Beauty me fait de l'œil. Et là, le concealer, s'il me plaît pas, je vais acheter le Fenty parce que j'avais testé le Espresso de Fenty. Il est incroyable. Du coup, je l'achèterai. Je pense. Wow. 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 Franchement, pour un produit à 5 balles, quoi. Mais le packaging est aussi beau que les packaging des grandes marques, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas le délire. Alors, attendez. Parce que... Je vais faire comme ça. Oui, il y a ma valise à côté parce que je viens de revenir. Ok. Donc, on est sur ça. Ouais, je sais pas. Il est... Ouais, il est pas mal. J'espère qu'il est bien. Mais le packaging est super beau. Je suis choquée. On dirait un truc de grande marque, quoi. Bref. Attendez, je vais sortir tous les produits et tout. Voilà, je suis trop contente. Du coup, celui-ci, c'est le Mocha. J'ai pas pris plus clair. Là, ça y est, j'ai décidé d'arrêter de me maquiller comme ça. J'ai décidé de vraiment mettre que tac, tac, tac et poudre. Ça y est. Le plus clair, ça atteindra. Ensuite, j'ai pris un crayon. Enfin, un crayon rouge à lèvres pour faire mon nude. En vrai, je pense pas que je vais l'utiliser dès maintenant parce qu'il me reste encore l'autre. Le rouge à lèvres et tout, là. Du coup voilà, mais je l'ai pris au moins pour le crayon parce que pour le moment j'ai plus de crayon. D'ailleurs j'ai pas pensé, je suis passée à côté du magasin du mec chez qui j'achète en plus, mais j'ai pas pensé d'acheter. J'ai pas pensé à acheter, pardon. D'ailleurs faut que j'apprenne à parler plus lentement pour que ce soit plus féminin, plus classe, inversas. Donc voilà, en fait, ah bah c'est marron des deux côtés, j'avais pas compris ça, je croyais que c'était rose. J'ai pris un crayon, bah de toute façon je vais vous montrer sur ma main directement. Ça c'est le crayon, ok, très joli le marron. Très joli. Et de l'autre côté, le rouge à lèvres. Alors ça, c'est quelle couleur ça ? Ok, c'est rose. Je sais pas si vous voyez. Attendez, c'est juste là. Attendez. Et voilà. J'aime beaucoup. Ok. Très bientôt, je pense que ce week-end, je pense que demain, c'est ce que je vais faire parce que je suis censée sortir. Et je pense que je vais m'amuser à faire ça. Ah, ça c'était le fond de teint. Regardez comme ils ont emballé le fond de teint. Mais les noix, ils me fument de rire, en fait. En fait, c'est ça le problème des pays asiatiques. C'est que eux... En fait, non. D'un côté, je trouve que c'est bien parce que eux, ils sont dans l'efficacité. Tu vois. Ils sont pas forcément dans la beauté, mais ils sont plus dans l'efficacité. Ça, je vous montre juste après. Ils sont plus dans l'efficacité plutôt que d'être dans la beauté, tu vois. Alors, ça, c'est le fond de teint. Packaging très joli, rien à dire. Franchement, je suis épatée par leur marque. Vraiment, je suis épatée. Enfin, pour 5 balles, quoi. 5 euros le truc. Mais après, je vais voir. Sur ma peau, est-ce que ça m'apporte des soucis de peau ou pas? Parce qu'en vrai, le prix... Est-ce que le prix définit véritablement la qualité? Je ne sais pas. Par rapport aux anti-cernes, je dirais d'un côté que oui. Parce que je trouve que l'anti-cerne Born This Way, il est beaucoup mieux que tous les anti-cernes que j'ai pu tester. En fond de teint, je sais pas, parce que je trouve que le fond de teint ELF, il était incroyable. Alors que j'ai testé le fond de teint Lancôme, enfin je mettais du fond de teint Lancôme quand j'étais au lycée et tout, et j'aimais pas du tout. Après, il était pas forcément adapté à ma peau aussi, donc ça peut jouer. Alors, oh là là, chaussettes sur fond de teint. Chaussettes en fait. Alors attendez. Chiglam, venez me sponsoriser s'il vous plaît. Wesh, le fond de teint, mais wesh. Mais dinguerie. Dinguerie. Je vais tester sur ma main pour voir. Bon, ça sort ou ça sort pas? Je pense que ça va le faire, ouais. Voilà, attendez, j'ai pas de pinceau. Ça va, il a l'air. Je voulais pas qu'il soit trop foncé. Je voulais pas qu'il soit trop clair. Et c'est la teinte parfaite. Après, ma main et mon visage, c'est un peu à peu près le même visage, même si on est la même teinte, même si on n'est pas censé faire ça. Mais vraiment. Alors attendez. J'aime beaucoup. Et franchement, je suis super épatée. Quoi. Et ensuite, j'ai pris un petit bracelet sur Chine. J'ai regardé, j'ai mis qu'il était en acier inoxydable. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Bah. Je comprends pas, c'est écrit Made in China, mais c'est écrit en français et en italien dessus. Bon. Ah oui, non, c'est un vrai bracelet. Ok. Avec des charmes dessus, j'aime beaucoup. Attendez, je vais essayer de le mettre.
J'aime beaucoup. En plus, il y a des espèces d'imitations du Van Cleef là. J'espère qu'il est vraiment inoxydable. De toute façon, je pense que je vais le passer sous l'eau directement pour voir. Mais j'aime beaucoup. J'aime trop les bijoux dorés. Je trouve que ça me va trop bien. Donc voilà pour le petit haul de la journée. Là, du coup, je vais commencer à ranger tout ça en fait. Parce que là, il y a énormément de choses. Donc je vais ranger tout ça. Et puis, ouais, je vais ranger tous mes fringues. Je vais ranger tout ça parce qu'il y a des habits que je ne mets pas en fait. Parce que c'est trop gros pour moi. Du coup, je vais les vendre, mettre à vendre sur Vinted. Et je vais ranger tous mes fringues parce que mes fringues, j'en peux plus. Hein. Je suis trop satisfaite de mes achats. Je suis trop contente. Voilà. Bisous. Les gars, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en plein rangement de mes trucs en fait. Parce que je vais jeter les produits qui sont terminés, nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Ça, c'est un bonnet de pépé, mais je pense même pas que je vais le garder. Tout à l'heure, il faut que je fasse un maximum pour vraiment arracher ces ongles-là. Je pense qu'en attendant, je vais essayer de me faire une petite manucure. Je vais mettre un petit peu de vernis avec du top coat. Comme ça, je vais les limer un peu et j'aurai les ongles courts, mais j'aurai au moins les ongles faits pendant un petit moment parce que je vais pas faire mes ongles avant bien longtemps. Je pense que je vous l'avais déjà dit avant. Regardez mes Beauty Blender. Je pense que je vais en acheter quelques-unes nouvelles aussi. Donc, je nettoie mes houppettes. J'ai tellement de choses à nettoyer. C'est dingue. Hein. Il y a des trucs aussi que je vais jeter, tiens. Genre ces espèces de trucs-là, tout dégueulasse et tout. Ça, je jette. Je ne garde pas, évidemment. Du coup, ouais, là, je suis vraiment en train de faire un gros, gros tri. Je comprends pas pourquoi mon pot de crème est dans ma trousse de make-up, alors qu'en général, je l'avais dans ma trousse.